Salut à tous les gars, c'est Vin Sky et Julien, j'espère que vous allez tous très bien. Comment tu vas Julien? Impeccable, et toi? Ça va, merci beaucoup. D'ailleurs, merci beaucoup d'être venu sur le terrain de mon club, le Vin Sky FC. La dernière fois, c'est moi qui suis venu chez toi. On fait des allers-retours. Et là, tu viens. On se rend là pareil, voilà, c'est carré. C'est quoi le concept aujourd'hui de la vidéo? Vous l'avez vu dans le titre, c'est juste dingue en fait. Parce que Julien, quand on s'est vu, c'était le 14 mai 2021, j'ai posté la vidéo avec toi. La vidéo, elle a explosé. C'est la troisième vidéo la plus vue de ma chaîne alors que j'ai rencontré les plus grands joueurs du monde. Surtout qu'à la fin de la vidéo, j'avais dit, si vous voulez que je retourne voir Julien pour essayer de voir s'il peut s'améliorer et tout, mettez un pouce bleu, il y a quasiment 120 000 likes. Donc du coup, je pense que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut qu'on reteste Julien. Surtout qu'apparemment, tu t'es amélioré, c'est ce que tu m'as dit. En fait, je suis venu sur ta chaîne pour montrer que j'ai un talent inouï au foot. Je me la tue depuis 6 mois, j'ai passé les détections. Et là, t'as quel âge là? Là, j'ai bientôt 16 ans. T'as bientôt 16 ans? 15 ans et demi. Donc t'avais 13 ans ou 14 ans, truc du genre. Exactement, le okay. Compte est bon. J'étais gaze la dernière fois. J'étais gaze, honnêtement. Après, faut passer par là. Hein. Donc aujourd'hui, c'est très simple. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te tester dans des petits défis, mais pour pas que ce soit juste des défis comme ça, à chaque fois, tu auras des cartes que tu pourras débloquer, c'est des cartes de rappeurs. On va commencer avec la note de tir. Donc pour ce faire, j'ai mis, je crois, une quinzaine de rappeurs dans le but. Julien, tu vas devoir essayer de toucher deux joueurs pour créer ton équipe de 5. Okay. Okay. Les rappeurs que tu veux vraiment viser, que tu voudrais vraiment toucher pour ton équipe, ce serait qui? Moi, dans la vie, j'ai aucune haine contre un rappeur en particulier. Ils sont tous très forts. SCH, Nino, franchement, les deux, ça serait au top. Ouais. Jul, Laylo, PLK, bah, en vrai, à peu près tous, même Booba, Damso, tous. Il y en a pas un que t'aimes pas du tout? Orelsan, j'aime pas trop. Évidemment qu'il a un talent, mais c'est pas trop du rap, vous voyez. C'est plus... chansons françaises, etc. Et si tu devais dire un rappeur? En vrai, là-dedans, ouais. Nino. Hein. Nino. Logique. Hein. Nino. Nino, même Jul, en plus, il est pile au milieu. Il y a juste une règle, c'est que moi, j'ai le droit de te retirer deux joueurs si je les touche. Okay. Vu que tu m'as dit que tu visais Jul, SCH, Nino et tout, j'essaie de les toucher. Vas-y. On est en difficulté. Comme tu veux. Allez, c'est parti. C'est quand tu veux, mon gars. Ok. What the... Laylo qui est pour Toulouse, d'ailleurs. Tiens, ta première carte. Bon, l'équipe, Laylo, franchement, gros rappeur, c'est très solide. Même Trinity, j'avais fait une réaction dessus. Ok, c'est à moi. Encore une carte à toucher, après il a fini le challenge frappe. Mais il est cheaté ce mec. Par contre, attendez, juste on va bien décortiquer ce qui se passe. En fait, toi tu fais des pointards. Non, même pas. Pas forcément. Comme ça, là. Brrr. Jul, c'est Jul, hein, je vais pas vous apprendre, c'est l'un des plus grands rappeurs en France. Comment ne pas l'aimer, il a tellement fait de son. Du coup, vu que tu as été très rapide, et ben, tu vas toucher encore une troisième carte, ce sera un remplaçant dans ton 5. Ok. Et à la fin, tu devras faire le choix si tu le gardes, qui tu mets en titulaire, qui tu mets en remplaçant. Oh, regardez bien la technique de Julien, il fait pointu extérieur du pied, c'est très rare. Bon, j'ai touché qui là, les gars? Orelsan, qu'est-ce que tu as à dire sur lui? Orelsan, franchement, j'écoute rarement, mais le peu de son que j'ai écouté ou quoi, franchement, il a un talent pur, il est très très chaud, et on attend son prochain album qui arrivera d'ici, je pense, je serai majeur. Parce qu'il fait. Il fait des grandes. Oui. Il fait des grandes pauses. Ok, Orelsan. On verra si tu le mets en titu en remplaçant la ouais, de vidéo. Ouais, il sera réservé. Du coup, Julien, maintenant, c'est les passes, la note de passe, ok? Donc, devant toi, tu as toujours deux mini-buts qui sont collés. Et tu as à chaque fois un choix, Booba, dans ce cas-là, et Damso pour le premier. De toute façon, même niveau musicalité, les deux, ils sont très, très forts. Ok. Après, une petite préférence pour Booba, évidemment. Mais si j'ai pas Booba, je vais pas être en train de grogner, voilà. Oula, tu l'as un peu écrasé, ça fait un peu un espèce de roulette. Poto. C'est un bon début l'équipe. Ça va être à mon tour. Okay. Si je marque dans un des buts, ça te retire le rappeur et ça le remplace par un autre. Donc du coup, t'as plus Damso, t'es remplacé par Kershak. Ok. Oui, alors fais ta technique. Qu'est-ce qu'il va nous inventer encore? Oh là 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 là! Elle est belle, après l'équipe, il y a une part de chance, faut être modeste. Apparemment, tu lui as parlé avant qu'il explose, tu m'as dit? Ouais, rapidement. Je lui avais demandé
c'était quand qu'il sortirait son album, mais ça remonte, hein. Ouais, ouais. Il m'a dit, je sais pas trop, une disquette, quoi. Ouais. La classique. Du coup, ça a été remplacé par SCH. Ok. Ok. Oh, barre, c'est pas rentré. Il y a sa technique. Bien sûr. Elle marche très très fort. Bah, le S et le S, hein, franchement, pas besoin de vous faire de dessin. J'étais invité à son showcase, pas par lui directement, mais j'écoutais, j'étais dans les loges et tout. Et là, à un moment, il y a un mec complètement bourré, il me balance sur la scène, je me retrouve à checker le S. Après, j'étais tout timide sur scène, mais je pense que à mon âge, tout le monde aurait réagi de la même manière. Julien se retrouve dans des trucs et dans les couilles. Ouais, exactement, je fais des trucs improbables. Comme ça. Oh, à côté. Dommage. Dommage. C'est à toi maintenant, attention à ce que tu réussis à toucher Booba ou Guy Desbar, quand tu veux. Oh. Oh, le poteau rentre en Booba. C'est l'un des meilleurs rappeurs. Hein. Okay, en plus, tu l'as rencontré. Ouais, c'est vrai. Il était comment? Ah bah, en plus, je me suis jamais réellement exprimé sur ce sujet. Ah ouais, bah vas-y, bah, tiens, dis-nous un petit peu, tiens. Très sympa, franchement, j'ai passé une bête de vidéo avec lui. Franchement, ouais. c'est un bon. La note de la défense et des dribbles. Bien Donc sûr. Toi, si t'arrives à marquer des buts, tu gagneras des points dans les dribbles. Et si moi, j'arrive à te mettre des buts, tu perdras les notes en défense. Du coup, là, il y a actuellement 8 cartes. Si je marque un but, ça lui retire une carte, en fait. Donc, plus je marque de buts, plus ça retire des choix. Et si toi, tu marques, il y aura une carte retournée. Et tente les virgules. Ok. Oh putain, il est un petit pont. Il est trop surprenant. Bien joué. Tu peux retourner une carte aléatoirement. Ok. Et tu la laisses où aller après. PLK, hein, okay. Franchement. Oh, ça c'est bien ça. Ah. Toi tu fais des mouvements. Tu fais des... J'élimine. Guy Desbar. Pas grave. Oh. excuse. Pas grave. Ah! Oh putain, le rachat entre PLK et Nino. Oh, quelle défense! Elle est pas rentrée. Ah, t'as mis un petit fond ou pas? Fiacola, franchement, c'est peut-être la meilleure vidéo. Oh, là, on est fair play. Il y a faute. On fait quoi pour la faute? Tu retires deux cartes. Je retire Josman et Resco. Ouais, pas des belles pertes. Ah, ah oui. Hamza. Ah. Oh oui. Oh non! Oui! Bien joué! Maintenant, tu vas choisir entre ces trois joueurs, ces trois rappeurs. Nino, PLK ou Tiakola? Ah, c'est Nino. Aucune hésitation. Ouais, je pense que c'est le GOAT. Bien sûr. Déjà, il sera au milieu. Vas-y. Jules qui est très fort. Nino numéro 9. BU. Ok. On va voir Booba en 9. Avec Nino. Ok. SCH avec le J. Ok, deux milieux, deux attaquants. Donc Laylo il va défendre. Et Aurel San au goal. Il n'a pas trop une tête à faire du foot. Non, c'est vrai, en plus il vient d'Alençon. Je connais bien, c'est plus. Plus la pétanque par là-bas. Bon bah les gars, je pense qu'on a fait le tour. Donc du coup là il y a la carte de Julien qui s'affiche aussi actuellement à l'écran. Ouais. C'est tout ce que tu as fait dans la vidéo, les frappes et tout. Et ben t'as une note qui s'affiche. Franchement, c'est sûr que tu t'es amélioré par rapport à la dernière fois. Après t'as grandi aussi. Exactement, j'ai pris de la puissance. Tu as quand même mis un double contact petit pont but. Ouais, ça c'est que des petits détails. En tout cas,
cas les gars, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Comme tu l'as dit hein, tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout aller voir la chaîne de Julien parce qu'il va reprendre les vidéos, c'est ça que tu m'as dit. Hein. Exactement, puis du coup il y aura la vidéo aussi avec Vin Sky sur ma chaîne. On a vu parler un petit peu de rap aussi. Bon, comme tu l'as dit, moi je suis, je veux pas dire que je suis un rapix non plus. Non, non, mais un peu quand même. Je suis pas un spécialiste du rap après. Je peux me citer un morceau de Laylo vite fait. Allez à tous, c'était Vin Sky. Je rigole. Bon, l'équipe, c'était Julien Beat avec Vin Sky. Je pense qu'on est sur une fin de vidéo. Fin de vidéo, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour abonnez-vous à sa chaîne. Votre avis sur le niveau de Julien. On est ensemble. Peace and game. Et facilement foot, c'est mieux. Salut les gars. Salut les refs.